Benoît Yecker, Fribourg-Gotteron s'est incliné à domicile. C'est quelque chose qui n'arrive pas très souvent. Ça arrive une fois contre Zoug et puis maintenant contre Genève. Quels ont été les points déterminants qui vous ont empêché d'aller fêter une nouvelle victoire à domicile, justement? Je pense que c'est surtout le deuxième tiers. On a bien commencé le match. Et le deuxième tiers, pendant 10 minutes, on a vraiment loupé notre jeu. On n'était pas là, puis ça nous a vraiment coûté cher. Et puis votre analyse du jeu défensif sur cette partie, puisque c'est quand même là où vous évoluez. Ben c'est clair que quand on se prend 4 goals, c'est quand même un peu beaucoup, surtout qu'on a laissé pas mal de rebonds. On a laissé aussi 2-3 gros arrêts de Reto qui fait pendant le match. Et là, on laisse un deux joueurs tout seul. Ça peut non plus pas aller contre des équipes contre Genève ou bien contre n'importe qui. Heureusement qu'il était là, mais il aurait pu encore avoir 2 goals de plus. Et puis, il va falloir vous reprendre vite parce que c'est très vite maintenant Zurich, puis encore Genève, une grosse semaine. Oui, on savait que, il me semble qu'on a 3 matchs contre Genève et puis 2 contre Zurich ou l'inverse. Mais on sait que ça va être une semaine importante pour nous. Après, je trouve ça bien, comme ça on peut voir où est-ce qu'on est. Ça nous challenge un peu et puis on peut aller de l'avant après. Merci Benoît. Merci.